برازيل مزيه براسو كاتالوم. Nous sommes si reconnaissants de nous tenir devant toi ce soir, des quatre coins de la terre, et les personnes aux États-Unis, au Canada, en France, en Côte d'Ivoire. C'est des quatre coins de la terre que nous tenons devant toi au Togo, Père. Des personnes si vulnérables, si incapables, mais qui ont profondément besoin de toi, qui reconnaissent qu'ils ne savent pas faire, qu'ils ne connaissent même pas la voie à suivre, le chemin emprunté. La vérité à connaître, la vie à mener, mais du plus profond d'eux-mêmes. Ils veulent connaître Dieu. Ce sont des personnes, Seigneur, qui aspirent, non pas à la perfection, mais qui aspirent à être parfaits selon toi, à avoir le cœur de Dieu, à ressembler à Dieu, afin que notre génération constate des hommes et des femmes de la présence. On constate des personnes qui sont comme Dieu, des personnes sorties du cœur de Dieu, qui démontrent Dieu, des personnes qui, lorsqu'elles parlent, ce n'est pas eux qui parlent, c'est Dieu qui a parlé. Des personnes qui, quand elles marchent, ce n'est pas eux qui marchent, c'est Dieu qui marche au travers d'un homme. Père, nous sommes si incapables, nous sommes si loin de cette dimension. Voilà pourquoi, du plus profond de nous, nous reconnaissons que rien n'est acquis. Ce groupe n'est pas un acquis, ce ministère n'est pas un acquis. Voir des examens être transformés semaine après semaine, avoir une parole n'est pas un acquis. Voir des vies transformées, ce n'est pas un acquis. Les témoignages qui affluent, ce n'est pas un acquis. Les âmes qui sont gagnées, ce n'est pas un acquis. Être présent dans plus de 20 pays, ce n'est pas un acquis. Des personnes qui se connectent chaque semaine, qui sont comme attirées, selon qu'il est écrit que c'est moi qui vous ai attiré, Père. Les gens ne se connectent pas à cause de Joël, ni à cause de Olin, ils se connectent parce que tu les as attirés. Et ce n'est pas un acquis, ce n'est pas un acquis. Tout est grâce, tout don parfait, toute bonne grâce vient d'en haut, du Père des lumières. Il n'y a ni changement, ni onde de variation. Si, Seigneur, nous sommes connectés des quatre coins de la terre et que chaque semaine, ce sont des dizaines de personnes qui se connectent pour entendre ta voix, nous reconnaissons que ce n'est pas un acquis. Nous ne voulons pas banaliser ces cinq pains et ces deux poissons, mais nous voulons reconnaître que ta main est passée par là, que ton cœur est passé par là. Nous voulons reconnaître l'oxygène de Dieu qui se répand dans nos vies chaque jour. Nous sommes si imparfaits. Pour certains, il y a encore des combats. Pour d'autres, il y a encore des luttes, il y a encore des manquements, il y a encore des épreuves. Mais si nous sommes connectés ce soir, c'est une manière de dire que c'est vrai. Nous passons par des moments compliqués, certes, mais nous voulons Dieu. C'est tout un message d'une personne assoiffée, d'une personne désireuse, de ne pas rester là où elle est, mais d'une personne qui a compris que le secret, c'est d'aller à la rencontre. Le secret, c'est de ne jamais fuir la rencontre. C'est de jamais se cacher dans la caverne, comme Élie s'est caché dans la caverne, mais c'est de sortir, se tenir sur la montagne, afin que lorsque l'Éternel passe d'abord par le feu, après le tremblement de terre, après le vent impétueux. Mais ça, c'est la présence de Dieu qui sort de nous. C'est la main de Dieu, mais une présence qu'on appelle le cœur de Dieu. C'est ça que la Bible appelait dans 1 roi 19, c'est ça que la Bible appelle le murmure d'eau et les gestes. Ce sont des personnes qui ont vu ta main, qui savent que tu existes, qui passent par des moments compliqués, mais du plus profond d'eux, tout ce qu'ils veulent, c'est le cœur de Dieu, c'est l'intimité. Des personnes incapables, vulnérables, mais qui veut le cœur de Dieu. Donne-nous le cœur de Dieu. Que All In Together soit connu, Seigneur, comme un groupe. Pas comme un groupe, parce qu'on n'est pas un groupe. Comme un mouvement. Un peuple de consacrés, de passionnés. Que ce ne soit pas un slogan. Que ce soit des personnes qui ont un cœur, qui veulent le cœur de Dieu. Des personnes qu'on a marre de chanter pour chanter, de prier pour prier. Qu'on a marre de faire les mêmes choses, les mêmes soupirs, les mêmes chants. Qu'on a marre d'avoir l'impression qu'ils n'aiment pas Dieu, mais des personnes qui veulent être remplies de l'amour de Dieu. Nous ne désirons que toi, tendre Père, nous ne désirons que toi. Ô Saint-Esprit, nous ne désirons que toi. Ce vendredi, nous ne désirons que toi. Au sein de ce groupe, nous ne désirons que toi. Nous désirons, nous ne désirons que toi. Plus que jamais, nous ne désirons que toi. Ô magnifique, nous ne désirons que toi. Nous sommes amoureux de toi, nous ne désirons que toi. Au Saint-Esprit, nous ne désirons que toi. Cher Paraclet, nous ne désirons que toi. Présence de Dieu, nous ne désirons que toi.
Présence du Père, nous ne désirons que toi, cœur du Saint-Esprit, nous ne désirons que toi, c'est des quatre coins de la terre, nous ne désirons que toi, c'est une jeunesse embrasée, nous ne désirons que toi, c'est un peuple de consacrés, nous ne désirons que toi, c'est un peuple de passionnés, nous ne désirons que toi, oh, dans ce mouvement, nous ne désirons que toi, nous voulons pas la popularité, nous ne désirons que toi, ni la visibilité, nous ne désirons que toi, nous voulons pas les richesses de ce monde. Désirons que toi, nous ne voulons pas l'autorité, nous ne désirons que toi, nous voulons pas les miracles, les prodiges, nous ne désirons que toi, nous voulons pas la gloire des hommes, nous ne désirons que toi, ni l'approbation des hommes, nous ne désirons que toi, nous voulons pas les acclamations, nous ne désirons que toi, nous voulons pas la délivrance, nous ne désirons que toi, ni la guérison, nous ne désirons que toi, mais au plus profond de nous, nous ne désirons que toi, au plus profond de nous, nous ne désirons que toi, c'est un peuple d'assoiffé, nous ne désirons que toi, des véritables adorateurs, nous ne désirons que toi qui veux juste adorer, nous ne désirons que toi en esprit et en vérité, nous ne désirons que toi sors-nous de la conformité, nous ne désirons que toi fais-nous rentrer dans l'intimité, nous ne désirons que toi merci pour ta main étendue, nous ne désirons que toi mais nous voulons le cœur répandu, nous ne désirons que toi merci pour le rémunérateur, nous ne désirons que toi, mais nous voulons le consolateur, nous ne désirons que toi, accorde-nous la grâce, nous ne désirons que toi de tomber amoureux de toi, nous ne désirons que toi, quelles que soient les saisons de nos vies, nous ne désirons que toi, sur la croix ou sur dans la gloire, nous ne désirons que toi, dans la force ou dans la faiblesse, nous ne désirons que toi, dans la liberté ou les prisons, nous ne désirons que toi, dans la nudité ou le revêtement, nous ne désirons que toi, quelle que soit notre condition, nous ne désirons que toi, sur le lit d'hôpital, nous ne désirons que toi dans cette situation, nous ne désirons que toi dans cette confusion, nous ne désirons que toi dans cette indécision, nous ne désirons que toi dans ces manquements, nous ne désirons que toi nous sommes si incapables, nous ne désirons que toi nous savons pas prier, nous ne désirons que toi, nous savons pas prêcher, nous ne désirons que toi, nous savons pas enseigner, nous ne désirons que toi, mais tu as été envoyé, nous ne désirons que toi comme le consolateur, nous ne désirons que toi comme l'accompagnateur, nous ne désirons que toi comme le conducteur, nous ne désirons que toi comme puissant enseignant, nous ne désirons que toi comme notre aide semblable, nous ne désirons que toi comme notre fondation, nous ne désirons que toi quand on veut me faire la guerre, nous ne désirons que toi c'est toi ma forteresse, nous ne désirons que toi dans les moments de confusion, nous ne désirons que toi c'est toi ma certitude, nous ne désirons que toi dans les moments de maladie, nous ne désirons que toi c'est
et toi ma guérison, nous ne désirons que toi. Quand je me pose des questions, nous ne désirons que toi. C'est toi ma réponse, nous ne désirons que toi. Quand je fais face à des problèmes, nous ne désirons que toi. Tu deviens ma seule solution, nous ne désirons que toi. Et c'est sur mon rocher, nous ne désirons que toi que je bâtis ma vie, nous ne désirons que toi. La pluie peut tomber, nous ne désirons que toi. Le vent peut souffler, nous ne désirons que toi. Le torrent peut même couler, nous ne désirons que toi. Mais je ne serai pas ébranlé, nous ne désirons que toi. Tant que c'est toi que je veux, nous ne désirons que toi. Je ne peux pas être affecté, nous ne désirons que toi. Tant que je suis consacré, nous ne désirons que toi. Je ne peux pas être affecté, nous ne désirons que toi. Tant que tu es mon seul Seigneur, nous ne désirons que toi. Je ne serai pas ébranlé, nous ne désirons que toi. Quelles que soient les tempêtes, nous ne désirons que toi. Et les mauvaises nouvelles, nous ne désirons que toi. Les situations défavorables, nous ne désirons que toi. Quand je tourne vers toi, nous ne désirons que toi. Je tourne vers toi mes regards, nous ne désirons vers toi. Mon visage se couvre pas de honte, nous ne désirons que toi. Dans nos destinées, nous ne désirons que toi. Dans notre histoire, nous ne désirons que toi. Dans notre témoignage, nous ne désirons que toi. Ne nous laisse pas, nous ne désirons que toi. Comme nous sommes, nous ne désirons que toi. Où nous sommes, nous ne désirons que toi. Viens nous saisir, nous ne désirons que toi. Et nous amener avec toi, nous ne désirons que toi. Dans tes profondeurs, nous ne désirons que toi. Dans les hauteurs, nous ne désirons que toi. De la connaissance de ton amour, nous ne désirons que toi. De la stature parfaite de Christ, nous ne désirons que toi, afin que tout ce que nous ne désirons que toi était pour nous comme un gain, nous ne désirons que toi devienne comme une perte, nous ne désirons que toi à cause de toi, nous ne désirons que toi et ta connaissance, nous ne désirons que toi et ton intimité, nous ne désirons que toi et ta communion, nous ne désirons que toi. Je ne sais pas pour toi, mais moi je ne veux que toi. Chaque jour de ma vie, nous ne désirons que toi. Chaque seconde de ma vie, nous ne désirons que toi. Je veux vivre par toi, nous ne désirons que toi. Je veux vivre avec toi, nous ne désirons que toi. Je veux vivre en toi, nous ne désirons que toi. Brazis et Brazius a dit en Nazar. Et tu vois, ça ce n'est pas le soupir de ceux qui prient. C'est pas le soupir des croyants. C'est le soupir des intimes. C'est le soupir de ceux qui ont décidé que leur vie doit glorifier le Père. C'est le soupir de ceux qui ont compris que Dieu, c'est pas seulement un maître, mais c'est aussi un amoureux, un époux. Il cherche une épouse. Oh, trouve-moi l'épouse. Trouve-moi un adorateur qui t'adore dans sa génération. Un David de sa génération. Un Castanou dans sa génération. Une personne qui, lorsqu'elle se prosterne pour adorer, c'est tout le cœur, toute la destinée, toute sa vie qu'elle dépose à tes pieds. Comme les 24 vieillards que tu as élevés, que tu as glorifiés, que tu as honorés. Tu as rendu le nom d'Abraham grand, mais quand Abraham se tient dans ta présence,
Le nom, toi-même qui as rendu son nom grand, il le dépose. Parce que dans ta présence, quelles que soient les bénédictions, les grâces, on dépose toi à tes pieds. Alors je veux déposer toi à tes pieds ce soir et bénir ton nom, t'élever au-dessus de tout, et nous t'élevons tous. Nous te reconnaissons comme étant le seul vrai Dieu de nos vies. Merci parce que tu as commencé un travail pour faire de nous des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. À toi seul l'honneur, la louange et la gloire. Amen. 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 Oh. Amen. Vous allez bien. Alléluia. Alors, tu vas prendre le lien et tu vas inviter tes 12 personnes. N'est-ce pas? Donc, prends ton lien et invite tes 12 personnes. Moi, j'ai déjà invité 12 personnes. Donc, on va voir. Chaque semaine, j'essaie de changer. Ouais, qui j'invite cette semaine, j'invite qui à la semaine, qui si j'invite qui, tu vois, hein? C'est important. Donc là, tu prends et tu envoies, tu invites tes 12 personnes. Alléluia. Ok, gloire à Jésus le Christ. Merci Seigneur Père pour ta bonté, ta fidélité. Et aussi vos caméras, pourquoi c'est moi, mes deux frères là qui compatissent à mon fardeau? Vous êtes où? Vous n'êtes pas compatissant à mon fardeau aussi. Ton problème, c'est que, en fait, ton problème, tu veux que je t'explique. Toi, tu ne veux pas porter mon fardeau. Et après, tu veux que je porte ton fardeau dans la prière. Hein? C'est ça le problème. Après, tu m'as appelé pour dire oui, je veux prier pour moi. Mais quand je veux un fardeau, tu ne peux pas porter mon fardeau. Comment quand je vais me tenir devant Dieu pour dire Seigneur, je porte le fardeau de tel. Comment tu veux que Dieu il me dise ok, mon fils, tu ne peux pas porter mon fardeau. Porte mon fardeau. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus le Christ. Alors, j'ai un message aujourd'hui que je vais donner. Hein. Je vais donner. On va essayer d'aller rapidement par la grâce de Dieu. On va laisser l'esprit conduire, bien évidemment. Mais on va voir comment ça sort. Et je sais que ça va sortir pour transformer ta vie. Moi, je ne cherche pas, vous me connaissez, moi, je ne cherche pas les amen. Moi, je cherche à ce que, lorsque je te parle, ton cœur est bouleversé. Tu désires connaître Dieu. Je veux que tu sortes d'ici en ayant un désir de connaître Dieu. Voilà pourquoi je t'invite à inviter des personnes. Parce que, quelle que soit la personne que tu vas inviter, à partir du moment où elle se connecte, je t'assure, sa vie est transformée. Quel que soit l'endurcissement qu'elle avait, il y a des personnes, on les connaît. Tu vois, pour toi-même, il y a des personnes, tu les connais, on les connaît. C'est des personnes, tu te dis, oh, lui, impossible que Dieu le change. Tellement, tellement, lui, c'est un. Je ne vais pas dire, mais c'est un. C'est-à-dire, lui, tu as l'impression que lui, il mange avec le diable. Tellement, il est mauvais. C'est des personnes comme ça que tu dois inviter. Quelqu'un me donne un bon amen? C'est des personnes comme ça que tu dois inviter. On a l'impression qu'ils sont mauvais. On a l'impression que le salut n'est pas pour eux. Tellement, tellement. Ils ont fait des choses mauvaises. Il y a une présence, il y a une parole. Quand ça vient du cœur de Dieu, je t'assure, quelle que soit la personne, son endurcissement, elle est totalement transformée. Alors, le message que j'ai aujourd'hui est le deuxième message de notre série que nous avons commencé la semaine dernière, qui s'appelle Consacré à Dieu. Consacré, je vous ai expliqué, ça vient du terme agiasmos, qui parle de consécration. Il parle du fait de grandir dans la pureté, du fait de devenir saint. Parce que Dieu aspire dans ce groupe holy and together à faire de nous d'abord des personnes holy avant que nous soyons des together. Je respecte ce que j'ai dit la semaine dernière parce que je ressens encore des témoignages, des messages qui me posent des questions. Mais je vois, c'est quand on a le together, c'est quand on aura les agapés, c'est quand on aura les moments de prière en présentiel. Je sais que tu veux ces moments-là. Et moi, je le veux plus que toi d'ailleurs. Parce que je veux vous voir. Je vous ai expliqué que ça bouillonne en moi. Quand je me réveille le matin, dans mon ordre de pensée, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, je pense d'abord à Dieu. Après, je pense au groupe, je pense à mes petits frères, je pense à mes petites sœurs. Je veux vous voir, je veux vous voir. Je veux vous voir. Mais avant que nous devenions together, il faut que Dieu fasse de nous des personnes holy. Et je t'ai expliqué que holy, agiasmos, consécration, vient de la racine du terme agiaso, qui vient de la racine du terme agios. C'est ce terme-là qui est mis dans le holy and together. Amen. Donc Dieu aspire à faire de nous des saints. Et voilà pourquoi je viens de nous, Seigneur, pour ta connexion, parce que je disais ça la semaine dernière, mais je répète encore, c'est que la vérité, quand il s'agit des messages sur la sainteté, il n'y a personne qui veut se connecter. Mais tu es connecté. Ça veut dire que toi, tu as décidé que ta vie va glorifier Dieu. Voilà pourquoi ta vie va glorifier Dieu. Toi, tu as décidé. En fait, vous comprenez. Il y a quelqu'un qui doit mettre Amen, qui attend que je lui dise de mettre Amen, alors que je suis en train de lui déclarer les paroles. Je t'ai dit, j'ai pas envie de te raconter ce qui s'est passé avant l'appel, mais juste te dire que moi, je suis rentré dans une nouvelle dimension avec Dieu. Une nouvelle dimension d'autorité, de manteau et d'intimité, tu n'as pas idée. Quiconque va reconnaître, il va se cacher derrière. C'est-à-dire là, moi je ne vous ai jamais parlé comme ça, mais Dieu m'a dit de parler comme ça à partir de maintenant. Je n'avais jamais parlé comme ça depuis que Olin Together a commencé. Les petits frères me savent, jamais j'ai dit à une personne que prends-moi comme un berger. S'il y a quelqu'un qui peut dire que moi j'ai dit à ça, prends-moi comme un berger, qu'il est là, qu'il me dise.
Jamais j'ai dit à une personne, prends-moi comme berger. Jamais. À partir d'aujourd'hui, la dimension dans laquelle je suis rentré, je t'assure, l'autorité et le manteau qui m'accompagnent, prends-moi comme berger. La même est sur moi et sur toi. Elle va demeurer sur toi. Tu sais, il y a des combats dans lesquels tu pries, ça ne marche pas. Faut te cacher seulement. Cache-toi seulement. Quand tu te caches derrière la personne que Dieu voit en premier, si moi je viens du Père, aie compassion. Je la prends, je le prends comme une brebis, parce que tu m'as établi berger. Ta vie, je t'assure, la situation, elle est débloquée. Il y a des personnes qui ont expérimenté des choses extraordinaires. Il y a une de mes petites sœurs, elle-même, elle a commencé à m'appeler Daddy. C'est parce qu'elle sait que j'aime pas ça. Mais elle continue quand même. Elle avait des problèmes avec son passeport. Elle est connectée. Elle se prend avec son passeport. Mais vu que son cœur, elle avait un cœur soumis. Elle avait un cœur soumis, elle me considérait comme berger. Il a fallu une parole seulement. On dit que le territoire, et puis c'est pas vos passeports bizarres de CDAO Line. Hein? Dit que le territoire américain s'ouvre et que son passeport lui soit donné. Quand j'ai déclaré la parole, passeport américain, c'est pas CDAO, hein, passeport américain. Elle a eu ça. Pourquoi? Il y a une dimension quand ton cœur est incliné vers Dieu et que tu permets à Dieu de te positionner derrière un berger, que tu le reconnais comme berger. Si vraiment il y a une grâce sur sa vie, sa grâce va parler sur toi. Je dis, si vraiment il y a une grâce sur ma vie, que cette grâce parle sur toi. Si vraiment il y a une main sur ma vie, que cette main soit posée sur toi au nom de Jésus le Christ. Mais ta capacité, ça va être ta capacité à me considérer comme un berger. Amen. Donc en tout cas, je bénis le nom du Seigneur parce que tu es connecté, parce que toi tu as décidé que ta vie doit être transformée. Alléluia. Le titre de mon message est un message. Je pense que Dieu va parler à ton cœur aujourd'hui. Dieu va motiver une personne. Dieu va montrer à une personne que Dieu va te montrer qu'il voit tes efforts. Il voit tes efforts pour te consacrer. Et il va m'envoyer une parole pour dire à quelqu'un que. En fait, le message en fait, d'aujourd'hui, c'est une manière de Dieu pour te dire que ma fille, mon fils, je vis tes efforts, je vois tes efforts. Je vois tes efforts pour me suivre, pour obéir à ma volonté. Je sais que tu n'arrives pas, tu n'es. Actuellement, tu n'arrives pas, mais je vois tes efforts. Voilà pourquoi le titre de mon message, c'est Ne cherche plus la perfection, cherche le cœur de Dieu. Ne cherche plus la perfection, cherche le cœur de Dieu. Ne cherche plus la perfection, cherche le cœur de Dieu. Je vais aller rapidement. En fait, lorsque nous pensons, ça c'est comme ça que Dieu a commencé à me parler. En fait, déjà, comment le titre est venu, j'étais là comme ça, je pense, pendant la semaine. Et en mode, il m'a dit, je veux, ne cherche plus la perfection, cherche à avoir mon cœur. Et je ne comprenais pas. Et c'est après, en fait, il m'a expliqué. Tu sais, je n'ai pas dormi. Si je te dis que je n'ai pas dormi cette nuit, en fait, j'ai dormi, mais j'ai dormi 5 heures. Parce que je suis rentré, j'étais en retraite. Je suis rentré à 6 heures. Dieu m'a dit, et j'avais rien téléchargé en fait. Quand j'avais téléchargé, je peux pas le transmettre. Donc, je dis, je suis resté là jusqu'à 9 h. Juste pour toi. Nuit blanche. Voilà pourquoi Dieu va parler à ton cœur. Je dis, Dieu va parler à ton cœur au nom de Jésus. Il m'a dit, lorsque nous pensons à consécration, lorsque nous pensons à agiasmos, en fait, chacun d'entre nous, si je te demande qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand je te pose la question, c'est quoi la consécration? Si je te pose la question, chacun d'entre nous, hein, chacun d'entre nous, en tout cas la majorité, 95% des personnes, si on leur pose la question, à quoi tu penses lorsqu'il s'agit de consécration, la personne va te dire directement, la personne va directement penser aux actions qu'on pose. Amen. Si je pose une question, d'après toi, c'est quoi être saint? C'est quoi être consacré? Automatiquement, tout le monde va commencer à penser à poser des bonnes actions, obéir à la parole de Dieu, marcher selon la volonté, ne pas mentir, ne pas tomber dans la puissance. C'est ça, tout le monde va penser automatiquement aux actions. Amen. Tout le monde pense automatiquement au fait d'avoir des actions parfaites. Quand je parle de consécration, automatiquement, l'esprit de l'homme pense directement aux actions qu'on pose. Parce que c'est l'extérieur qu'on voit. Amen. Donc, automatiquement, quand on dit une personne sainte, c'est que c'est l'extérieur. C'est que c'est l'extérieur. C'est ce qu'elle montre, c'est ses actions, c'est son caractère, c'est sa manière de parler, sa manière de s'habiller, ses dires, sa manière de communiquer. OK, tout ça, les gens, quand tu parles de consécration, quand tu dis à une personne, tu penses quoi? C'est quoi la consécration d'après toi? Automatiquement, cette personne pense à quoi? Elle pense à ça. C'est automatique. Je peux même te poser la question, on peut même faire un tour de table, ouvrir ton micro, tu vas me dire la même chose. Tu vas me dire, oui, ce sont des actions qu'on pose. Amen. Automatiquement, on pense aux actions qu'on pose. Mais l'esprit m'a dit de vous dire que, et m'a parlé moi-même, parce que quand Dieu parle, moi, il me parle à moi d'abord. Ça dit, Dieu me prêche, après, je prêche. Donc, c'est ça, en fait. Mais en fait, il m'expliquait que la consécration emploie les actions, c'est vrai, mais n'emploie pas seulement les actions. Ça emploie aussi le cœur. La consécration n'emploie pas seulement les actions,
Ça emploie aussi le cœur. Parce que n'oublie pas, je t'ai expliqué la semaine dernière, je t'ai dit que consécration vient du terme grec agiasmos. Agiaso, ça veut dire quoi? Je t'ai expliqué, ça ne sert pas d'une consécration, d'une pureté, grandir dans la pureté à l'intérieur et aussi à l'extérieur, dans le cœur et dans la vie. Et je t'ai expliqué que le cœur symbolise l'intérieur. Pourquoi? Parce que Jésus dit que les choses mauvaises viennent du cœur, du mot cardia. Ça veut dire en fait les émotions, ce que les hommes ne voient pas. Tes émotions, c'est dans le cœur. Tes sentiments, c'est dans le cœur. Tes pensées, c'est dans le cœur. Ce qu'on appelle les pensées du cœur. Amen. Tes pensées, tes volontés, tes aspirations, tes rêves, tes désirs, tout ça là, ça doit être sanctifié. C'est-à-dire, il y a des personnes, ils ont des rêves qui sont vraiment, vraiment, vraiment des rêves remplis de péché. C'est-à-dire, il y a des filles là, elles les rêvent. C'est-à-dire, toi, tu rêves à sortir avec le monsieur là, pourtant le monsieur il est marié. Et tu dis que c'est-à-dire, toi, tu décides d'être que marié le mari de la dame parce qu'il a l'argent. Tu veux sugar daddy. Et ça là, tu veux pas que Dieu sanctifie ça. C'est l'intérieur, tu vois, tu ne l'as pas dit. Mais l'intérieur, tu as remarqué que l'intérieur est impur. Parce que l'intérieur, c'est le cœur, c'est ce qui est caché aux hommes, ce qui est secret. Tu vois des gens, tu es jalouse, tu es jaloux. Parce qu'il y a une chaussure que tu n'as pas, tu es jaloux. Mais il faut travailler. Travaille, cherche Dieu, aime Dieu. Ce que tu veux, Dieu va te donner. On est devenu aigri. Dès qu'on voit quelqu'un, en tout cas, moi, si tu me vois dans ma vie, tu vas être aigri. Hein, parce que moi, Dieu m'a béni. Moi, Dieu m'a béni. Moi, vous me connaissez, moi, les petits frères, ils savent. Moi, Dieu m'a béni. Mais tout ça, c'est un message. Dieu aime ça. En fait, Dieu, quand il voit qu'il te donne tout, ce à quoi les gens aspirent, mais que malgré ça, tu marches dans la sainteté, ça envoie un message. Moi, le nombre de personnes qui se sont approchées du groupe, qui se sont approchées de moi juste parce qu'ils ont vu que, ah, en tout cas, tu as l'argent. Hein. Oui, j'ai de l'argent et j'aime Dieu. Ils disent, mais comment on peut avoir l'argent et aimer Dieu? Alors, vous ne comprenez pas. J'aime celui de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que je sois riche. C'est la Bible qui le dit. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que je sois enrichi. Ok, donc il ne faut pas jalouser les gens. Mais il y a des gens, ils ont la jalousie, ils ont l'orgueil dans le cœur, ils ont la tristesse, ils ont tout ça dans le cœur. Leur intérieur n'est pas consacré. Mais je t'ai expliqué que la consécration, ce n'est pas seulement l'extérieur. L'extérieur, on parle de la vie, on parle des actions qu'on pose, c'est vrai, c'est les actions. Mais la consécration du terme agiasmos, je t'ai expliqué que ça emploie l'intérieur et l'extérieur. Alors pourquoi quand on nous pose la question, automatiquement, nos premiers réflexes, c'est de penser aux actions. Pourquoi qu'on nous demande c'est quoi la sainteté d'après toi, on pense automatiquement aux actions. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette révélation. Il faut qu'on ait la révélation que ce n'est pas seulement dans la facette extérieure, mais c'est aussi intérieure et extérieure. Je suppose qu'on lui dit que la consécration des actions n'est pas importante, elle est très importante. Mais tu vas comprendre aujourd'hui par le message que je vais te donner qu'en fait, tout vient du cœur. Tu vas comprendre. Donc, ne cherche pas la perfection, cherche le cœur. Quand je parle de perfection, je parle d'une vie sans faiblesse, sans erreur. Je parle d'une vie en fait où toutes tes actions marchent selon Dieu. C'est-à-dire où toutes tes actions que tu poses, il n'y a pas de péché dans tes actions. En fait, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, il faut chercher ça d'abord. Il faut chercher le cœur. Cherche le cœur de Dieu. Cherche à avoir le cœur de Dieu. Ne cherche pas à être parfait dans tes actions. Cherche d'abord à avoir un cœur parfait selon Dieu. Et je vais te montrer. Braziza bros Gabriel. En fait. Si tu développes ta consécration sur. Moi, j'enseigne, hein, parce que la Bible dit, non, voilà, ça, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi, je vous ai dit déjà, vous me connaissez pour ça. Les temps où on vient, puis on déclare, tu vas devenir, tu seras. Quand on finit de dire, tout le monde dit, Amen, Alléluia, Alléluia. Quand tu parles, tu as l'impression, mais tout ce que ça a été dit, tu es le contraire. Ça dit, plus on t'a béni, plus tu es maudit. Il y a des gens comme ça. Vous allez dans les mondes de prière bizarres, avec des gens bizarres, ils sont là, ils déclarent aussi aucun manteau, ils n'ont aucune autorité, aucune onction, ils déclarent des choses bizarres. Tu dis Amen, et puis tu mets ta main, tu l'es plus, et puis tu laisses qu'on touche ta tête. Bon, je vais fermer la parenthèse vite, vite, vite. Il y a des choses bizarres, hein. Moi, il y a des choses que j'entends, que je vois là. Choses bizarres. On te bénit, on dit tu vas devenir, tu seras, tu dis amen, mais quand tu quittes là, tu as l'impression qu'on t'a maudit. Parce que c'est pas la prédication, ça proclame. La prédication crée la foi. Parce que la Bible dit Jésus enseigna dans les synagogues, prêcha la bonne nouvelle du royaume et guérit tous les malades. Ça veut dire quoi? Pourquoi il a prêché avant la guérison? Parce que la prédication, c'est la proclamation. Donc la proclamation, on voit la foi qui permet d'être visité par Dieu pour la guérison, comment ça s'appelle, pour la liberté. Amen. Mais il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand on parle de la vérité vous affranchira, ça veut dire, en fait, c'est une liberté totale. Ce n'est pas une liberté passagère. Si je viens de déclarer ici, tu vas être rempli de joie, rempli de ferveur. Quand tu vas aller te coucher, tu vas te réveiller. Tu vas pas tomber dans la masturbation demain, mais tu vas tomber après-demain. On a prêché, tu étais rempli d'assurance. Mais l'enseignement va te faire comprendre que non, je ne peux pas me masturber. Pourquoi je suis le temple du Saint-Esprit? Pourquoi je suis le temple du Saint-Esprit? Parce qu'il est venu habiter en moi. Comment ça, il est venu habiter en moi? Qui est venu habiter en moi? Dieu est venu habiter en moi. Oui, Dieu. Dieu. Comment ça, Dieu?
Celui qui a créé le ciel et la terre. Oui, celui qui a créé le ciel et la terre est venu habiter en toi. Donc, celui qui a créé le ciel et la terre, les anges, les démons, est venu habiter en moi et moi, je suis tourmenté par les démons. Comment je peux être tourmenté par la créature du Créateur? Donc, le Créateur habite en moi et sa créature me tourmente. Ça ne peut pas aller comme ça, la vérité. En tout cas, ceux qui sont inscrits à la plateforme. Oh, toi, non, 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 toi, tu t'es inscrit à la plateforme. Dans 6 semaines, tu ne pourras pas te reconnaître. C'est la vérité qui transforme. Je peux bien venir prêcher ici, crier dans vos oreilles, mais est-ce que tu vas être transformé? Amen. Donc, c'est la vérité qui transforme. Donc, moi, je suis venu enseigner aujourd'hui encore. Alléluia. La consécration sur les actions seulement, c'est-à-dire la consécration qui est basée, axée, employée seulement sur les actions, sera toujours incomplète. Elle ne sera jamais suffisante. Elle ne sera jamais appelée totalement consécration devant Dieu. Dieu ne va jamais appeler ça consécration à 100%. C'est-à-dire, si tu te consacres seulement sur des actions sans avoir la consécration du cœur, c'est-à-dire, si tu as une consécration extérieure, c'est-à-dire, toi, tu poses des bonnes actions, mais ton cœur, là, c'est la méchanceté. C'est-à-dire, toi, quand tu vois les gens, tu as envie de les tuer, la haine, la colère, le manque de pardon. Tu auras beau ne pas tomber dans la pornographie, tu auras beau ne pas mentir, ne pas voler. S'il y a des choses en toi, dans le cœur, tu n'es pas consacré, quand Dieu te voit, il dit, tu n'es pas consacré. Quand Dieu te voit, dit, tu n'as pas de consécration, tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu n'es pas dans la masturbation, tu n'es pas dans la fornication, tu ne fais rien des actions qui sont contraires à Dieu. Mais si ton cœur manque de pardon, est dans la jalousie et dans l'orgueil, si ton cœur est dans la tristesse, l'amertume, quand tu te présentes devant Dieu, Dieu dit, toi, tu n'es pas consacré. Tu n'es pas consacré. Parce qu'on peut pas baser, on ne peut pas baser sa consécration uniquement sur les actions qu'on pose. Ce n'est pas possible. Devant Dieu, c'est incomplet. Baser ses actions, baser sa consécration sur les actions qu'on pose, c'est incomplet devant Dieu pour deux raisons. Je vais te donner les deux raisons. En tout cas, aujourd'hui, je t'ai dit, je suis venu enseigner. Donc, tu vas remarquer, en fait, dans l'enseignement, mais il faut t'accrocher. Hein. Alléluia. Je veux que tu t'accroches. Aujourd'hui, tu vas remarquer dans l'enseignement qu'on va monter. On va monter un peu dans les profondeurs. On va monter un peu dans les hauteurs, plutôt. De la parole. C'est-à-dire, il y a des choses. En fait, on va aller dans les dimensions de la parole. Après, je vais redescendre un peu. Amen. OK? On peut monter un peu. On peut monter. Vous me connaissez. Vous savez que moi, je ne monte pas souvent, mec. Parce que moi, je me connais. Moi, je connais la grâce que j'ai pour moi. Mes petits frères, eux, ils savent. Moi, Dieu m'a donné une grâce d'enseignement. Ils savent. Donc, moi, quand je veux monter, là, c'est pour ça que moi, j'enseigne pas. Moi, j'enseigne pas. Moi, j'enseigne, mais j'essaie de doser. Parce que comment je veux monter? Vous pouvez leur demander. Vous pouvez demander aux adultes, parce qu'on fait des réunions. Souvent, ils sont là, même isolés. Parce que quand ils quittent là, même, ils comprennent toujours pas. Mais comme ils ont peur de me dire, il faut qu'ils ont tout compris. Alors qu'ils n'ont pas compris. Hein. Mais ils sont là. C'est-à-dire, parce que quand je veux monter dans l'enseignement, là, non. Donc, aujourd'hui, on va monter un peu, mais on va redescendre. Parce que comme ça, il faut te garder. Alléluia. Oh, si quelqu'un veut monter, il met en commentaire, montons, 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 montons. Oh, alléluia. Merci Seigneur. La première raison pour laquelle il ne faut pas baser tes actions, il ne faut pas baser ta consécration sur les actions. La première raison, c'est que, quelles que soient tes actions que tu poses, tes meilleures actions sont des actions qui sont souillées devant Dieu. Et pour ça, on va directement aller dans Ésaïe 64, Ésaïe 64 au verset 5. Ésaïe 64 au verset 5. Regardez, la Bible dit une chose qui est particulière, qui m'a toujours marqué. Et ça rend humble quand la Bible dit ça. La Bible dit dans Ésaïe 64 au verset 5 que nous sommes, la Bible dit que nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Tu entends ça? Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Il y a d'autres versions qui disent toutes nos bonnes actions sont comme un vêtement souillé. Ça veut dire en fait, ce que toi tu appelles tes meilleures actions là. Ce que toi tu dis, j'ai posé les meilleurs actes. Les meilleurs actes de sainteté. Aujourd'hui, j'ai marché dans la sainteté. Dieu dit ça là, c'est un vêtement souillé. Quand tu dis oui, j'ai fait. Quand tu dis j'ai été. Quand tu dis je ne suis pas allé là-bas. On m'a invité pour aller en boîte, mais je ne suis pas allé en boîte, je suis resté chez moi. Dieu dit calme-toi. Arrête de te glorifier parce que ça, je connais ça comme un vêtement souillé. Pourquoi? Parce que avant. Pourquoi Dieu appelle ça vêtement souillé? Parce que si tu n'as pas le cœur consacré et que c'est seulement des actions, Dieu dit que c'est un vêtement souillé. Donc, tu auras beau ne pas répondre aux invitations de la fille avec laquelle tu es tombé 3 fois dans la fornication et t'a rappelé cette semaine, t'as dit, on va tomber encore une fois. Tu as refusé, c'est vrai. Parce que tu as dit, moi, je commence à marcher avec Dieu. Mais si ton cœur à l'intérieur n'était pas consacré, Dieu dit, malgré ça, ça reste un vêtement souillé. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas t'en glorifier, en fait. Ça, comme on dit, vêtement souillé. C'est-à-dire, en fait, ça paraît beau. Tu as l'impression que ça te recouvre, mais la vérité, c'est que c'est quand même un habit. Tu n'as pas t'en glorifier. Parce que nous sommes tous impurs. La justice des hommes ne doit pas se faire selon nos œuvres. Elle se fait selon la grâce. Amen. Elle se fait selon la grâce. Non, je veux faire une parenthèse encore pour la plateforme, main dans la main. Ceux qui sont inscrits à la plateforme, je t'assure, en 6 semaines, tu ne vas pas te reconnaître. C'est impossible.
Parce que ce qu'il sera prêché, c'est des choses simples. Hein. C'est le béaba de la marche avec Dieu. Mais il y a une grâce qui, quand elle vient, tu ne pourras pas te reconnaître à la fin de ces 6 semaines. Si toi, tu n'es pas inscrit à la plateforme, on va t'envoyer le lien, tu vas t'inscrire, je t'assure. Et ceux qui seront inscrits là, connectez-vous chaque mardi. Hein. Pas te connecter, te connecter un mardi, non. Persévère. Et toi, il y a une dimension. Brasez ça. Je sais de quoi je parle. Amen, amen, je ferme une parenthèse. Amen. Donc la première raison pour laquelle tu ne dois pas baser tes actes, tu ne dois pas baser ta consécration sur tes actions, c'est que tes actions, là, Dieu appelle ça vêtements souillés, quand le cœur ne suit pas. Amen, c'est très important, c'est la première raison. La deuxième raison, et on va monter un peu, on va monter un peu, on peut monter un peu. Hein. La deuxième raison, c'est que le diable a toujours une accusation à faire te concernant. Maintenant, j'hésite à le dire parce que... Bon, on va monter. Non, l'esprit est là, l'esprit va te faire comprendre. Alléluia. Le diable a toujours une accusation à faire te concernant. Le diable est appelé dans la Bible l'accusateur. En fait, il faut que je t'explique. OK? Je vais t'expliquer. Regarde. Écoute-moi bien. Là, on est en train de monter. Amen. On est en train de monter. En fait, dans la Bible, il y a ce qu'on est dans, au ciel, amen, là où Dieu est, au troisième ciel, il y a un tribunal. Quelqu'un dit avec moi en commentaire, il met amen s'il est avec moi en commentaire, s'il me suit. Il y a un tribunal. Amen. Il y a un tribunal. Et dans le tribunal, Dieu est le juste juge. Là, il me dit qu'il a fondé son trône sur quoi? La justice et l'équité. Ça veut dire qu'il est un juge. Dieu est un juge. Amen. Et dans le juge au tribunal, il y a un juge et il y a un avocat. La Bible dit, n'oubliez pas que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre avocat. Amen. Et maintenant, il y a l'accusateur. Aujourd'hui, on va appeler ça procureur. Celui qui veut que tu sois en prison. Ça, c'est le diable. On l'appelle l'accusateur. Et lui, le verset, c'est bon. Et lui, il va venir t'accuser sur les actions que tu poses. C'est-à-dire, à partir dès que tu fais une mauvaise action, dès que tu pèches, lui vient t'accuser. C'est pour ça que nous avons un avocat. Et c'est pour ça que le terme, souvent parce qu'on dit Seigneur, je rends grâce par la grâce. Mais tu ne sais pas que la grâce, quand un président gracie quelqu'un, ça veut dire quoi? Quand un président fait grâce, ça veut dire qu'il libère une personne. Il accepte que par sa parole, quelque chose que la personne a fait, parce qu'il a dit je libère cette personne, on est obligé de le faire sortir. C'est ça qu'on appelle la grâce en fait. Et une plateforme main dans la main. Bon, je fais ma parenthèse. Hein? C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est pour ça que la grâce existe. Parce que nous sommes accusés par le diable, mais notre avocat, lorsqu'il plaide devant Dieu, il présente le sang. Parce que la Bible dit, Jésus a présenté le sang. Tu vois, de la même manière qu'un avocat va venir présenter des preuves, Jésus, lui, la Bible dit dans Hébreux 9, est monté dans le tabernacle céleste et a présenté une bonne note pour tout le sang. Parce que le sang est le symbole de la mort que nous devions payer parce que nous avons péché. N'oublie pas, la Bible dit, tout son péché, la Bible dit, le salaire du péché est la mort. Donc, on devait, parce qu'on avait péché en Adam, et ma plateforme est dans la main encore une fois, on avait péché en Adam, on devait tous mourir. Donc Jésus, le sang est le symbole de sa mort, qu'il a présenté. Ça veut dire, quand il a présenté ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que, bon, vu que je suis mort pour eux, ils n'ont plus à mourir. Donc à partir du moment où il a présenté, il devient l'avocat qui présente une preuve devant le juste juge. Quand le diable accuse, il dit, mais je suis déjà mort. Voici la preuve. Donc fais grâce. Et c'est là maintenant que la grâce vient recouvrir. Amen. Là, tu as compris un peu le cadre. Donc voici un peu ce qui se passe aussi. C'est un peu le tribunal. Amen. Maintenant, il faut savoir une chose. Dieu m'a dit, quel que soit comment le sang de Jésus a versé, le diable va continuer d'accuser quand même. Quel que soit comment le sang a versé, le diable va continuer à accuser. Pourquoi? Parce que de un, le diable s'en fout du sang versé de Jésus. Il s'en fout. Parce que lui, le diable ne juge pas les gens en fonction de leur cœur. Parce que Dieu, quand il te fait grâce, c'est parce qu'il regarde à ton cœur. Il voit un cœur. Là, il me dit que si vous reconnaissez vos torts, il est fidèle et bon pour pardonner. Ça veut dire, en fait, si tu reconnais, si tu inclines ton cœur envers sa miséricorde, il va te pardonner. Donc, Dieu, c'est une personne qui regarde le cœur. Il ne va pas d'abord regarder les actions. Mais le diable ne regarde pas le cœur parce que le diable n'a pas accès au cœur. Le diable, lui, il va te juger en fonction de tes actions. Pourquoi? Première raison, parce que le diable lui-même a été jugé en fonction de ses actions. Le diable, on ne l'a pas jugé par son cœur. Dès qu'il a péché, dès qu'il a commis une mauvaise action, Dieu l'a chassé. Parce que les anges, il ne faut pas oublier, je vais te dire quelque chose. Tu sais pourquoi? Je t'ai dit, on va monter un peu. C'est ça, je suis en train de monter comme ça. Parce que les anges dans le ciel ne se sanctifient pas parce qu'ils aiment Dieu. Aucun ange aime Dieu. Les anges vénèrent Dieu. Ils respectent Dieu. Ils honorent Dieu. Ils se prosternent devant Dieu. On reconnaît sa suprématie, on reconnaît son règne. Mais ils n'ont pas la révélation de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils jettent un coup d'œil. Mais ils ne comprennent pas l'évangile.
Parce que l'évangile, c'est quoi? C'est le symbole de l'amour. Les anges, en fait, les anges connaissent la justice de Dieu. Ils connaissent l'autorité de Dieu. Quand Satan a péché, il a été chassé. Automatiquement, Dieu n'a pas demandé, Dieu l'a chassé. Donc, les anges ont la révélation de l'autorité. Mais les anges n'avaient pas la révélation de l'amour, d'un Dieu qui est capable de prendre la forme humaine pour revenir, pour sauver les hommes. Ils ne connaissaient pas ça. Donc, jusqu'à présent, ils cherchent à comprendre. Donc, tout ce qui revient au cœur, à l'amour, ils ne comprennent pas. Et ils comprennent seulement les actions. Donc, le diable, lui, il aura toujours une exhortation à te faire parce que pour lui, il ne peut pas comprendre comment Dieu peut te gracier alors que tu te comportes mal. Il ne comprend pas, en fait. Il se dit, mais comment Dieu peut te gracier alors que tu te comportes mal? Voilà pourquoi lui, il aura toujours une accusation à te faire sur la base de tes actions. Et ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que même si aujourd'hui tu n'as pas péché, parce qu'il y a des gens qui ne pêchent pas, quand je dis ça aux gens, les gens pensent que je m'amuse. Il y a des gens qui font une journée qui n'ont pas péché, n'ont pas insulté, n'ont pas menti dans leur cœur, n'ont pas eu de mauvaises pensées. Quand on dit ça comme ça, les gens pensent que c'est un mensonge. Aucun mauvais acte. Ils n'ont pas posé une mauvaise action. Ils n'ont pas péché, ils n'ont pas insulté, ils n'ont pas volé. Dans leur pensée, ils n'ont pas péché, ils n'ont pas mal parlé, leur bouche. Tout ça, quand on dit aux jeunes, on ne croit pas. Mais la vérité, c'est que même si tu as fait un jour sans péché, le diable va continuer à t'accuser sur ta vie avant, quand tu n'étais pas, parce que personne n'est né chrétien. Donc en fait, le diable, c'est comme, regarde, je vais t'expliquer, c'est très simple. Hein. C'est un accusateur, c'est comme un procureur. Même quand le juge a donné quoi, la décision finale, il a donné le verdict, c'est comme les procureurs qui font appel. C'est ça en fait. C'est-à-dire, le diable, c'est-à-dire, Dieu a dit, je fais grâce. Dieu dit, je fais grâce. Mais le diable dit non. Le diable dit non, jamais. Il faut qu'il paye. Voici ce qu'il a fait. Dieu dit, mais je fais grâce. Il dit, il faut qu'il paye. Donc, le diable va toujours, il aura toujours une accusation à faire. Voilà pourquoi tu ne peux pas baser ta consécration sur les actions seulement. Parce qu'il aura toujours une accusation. Il va toujours prouver à Dieu que tes actions, là, ne sont pas bonnes. Il aura toujours une accusation à faire. Mais Dieu m'a dit de te dire, et là, on est en train de monter encore. Hein. On monte un peu, c'est moi. Là, on est en train de monter vraiment dans l'enseignement. Mais en fait, il y aura une saison. Est-ce que je peux vous dire ça? Bon, je vais dire. Il y aura une saison qui arrive où le diable ne pourra plus jamais accuser. Il n'aura plus accès à l'accusation. Je ne vois pas vos caméras là. Hey, pourquoi vous me faites ça? Mais, il y a un temps qui arrive où le diable ne pourra plus accuser, n'accusera plus. Dieu m'a révélé ça cette semaine. Dieu m'a révélé ça lundi. J'avais eu un moment de prière avec mes petits frères. Je voulais dire. Dieu m'a dit non, tu ne dis pas, il faut garder le rima. Donc, j'ai laissé le rima bouillonner en moi pendant toute la semaine. En fait, il m'a dit il y a un temps qui arrive où le diable ne pourra plus accuser. C'est le jour de sa précipitation. Qu'est-ce qu'on appelle la précipitation du diable? Regardez avec moi Apocalypse 12 au verset 10. Apocalypse 12 au verset 10, la Bible dit Brazize brazutaima radia. Apocalypse 12 au verset 10, la Bible dit: Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Continuons. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui accusait devant Dieu jour et nuit. Okay? Donc en fait, la Bible ici parle d'un moment qui va s'appeler la précipitation du diable, que la Bible appelle l'accusateur justement. La précipitation du diable. Alors je vais t'expliquer rapidement. En fait, à l'enlèvement, parce que l'église sera enlevée, quelqu'un doit mettre amen à ça, tu seras enlevé, alléluia. Lorsque l'église sera enlevée, et ça je vais mieux développer dans la série, dans notre plateforme Main dans la main, quand on va parler de l'héritage du ciel. En fait, lorsque l'église sera enlevée, au même instant qu'il y aura l'enlèvement, je ne sais pas si ça sera en même temps ou avant, mais ça sera en fait dans cette saison-là, au même instant où il y aura l'enlèvement, il y aura aussi ce qu'on appelle la précipitation. Pourquoi? C'est quoi la précipitation? En fait, la précipitation, c'est que le diable. Parce que le diable va voir que l'enlèvement arrive. Et le diable, en fait, le diable habite au deuxième ciel. Okay? Le diable n'est pas sous la terre, comme les gens pensent. Hein? Il y a le premier ciel, c'est où on est. Il y a le deuxième ciel. Amen. Il y a le troisième ciel. Plateforme main dans la main. On va prêcher ça. Alléluia. Okay? Et lui, dans le séjour des morts, c'est là qu'on appelle le séjour des morts. Et lui, dans le séjour des morts, en fait, avant l'enlèvement, je ne sais pas si ça sera avant, mais je sais pas, ça sera dans le laps de temps. C'est ce que Dieu m'a révélé cette semaine. Il faut que je cherche Dieu pour qu'il me parle encore de ça. C'est qu'en fait, dans ce laps de temps, dans cette saison-là, en fait, le diable sera en mode, mais comment des hommes vont venir dans le ciel? Sous quelle autorité? Moi, j'habite dans le ciel et les hommes vont vouloir aussi avoir de la place dans le ciel. Donc, il va se mettre en barrière avec ses démons. Il va dire non, on ne laissera pas l'accès du ciel aux hommes.
Parce que l'enlèvement, ce sera pour les hommes, pour qu'ils aillent au ciel avec Dieu pendant 7 ans avant de revenir sur la terre pour régner 1000 ans. Après quoi, il y aura le jugement dernier. Après, nous allons vivre l'éternité sur des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Dieu va créer un nouveau monde. Amen. Plateforme main dans la main. Mais, en fait, à ce temps-là, il va refuser, en fait. Il va dire, mais pourquoi eux, ils ont accès à habiter dans le ciel? Pourquoi ils ont accès à ça? Ce qui est l'autorité. Pourquoi tu m'as enlevé le verset? Pourquoi tu m'as enlevé le verset? Et c'est là que la Bible dit, je crois que j'ai même pas envie de le verset. Mais en fait, à ce moment-là, je pense que c'est au verset 11, j'ai pas envie de le verset, c'est pas grave. La Bible dit en fait qu'à ce moment-là, maintenant, il y aura une guerre. OK? Il y aura une guerre entre les anges et les démons, justement, du diable. Et les anges vont gagner la guerre. Et c'est là qu'il sera précipité sur la terre. C'est-à-dire, maintenant, le diable même, il voulait empêcher les hommes que Dieu allait enlever d'avoir accès au ciel. Non. Lui-même, il sera chassé du ciel totalement. C'est-à-dire, le second séjour des morts, là, le deuxième ciel, ça ne va plus exister. Il n'y aura plus personne des ténèbres là-bas. Je sais pas, je te dis quelque chose qui est profond. Hein. Je sais pas vraiment te dire quelque chose qui est tellement fort. Je t'assure. Tu allais lire ta vie pendant 5 ans, tu n'allais pas comprendre ça. Donc, il faut rendre grâce. Et normalement, tu dois te mettre Amen et bénir le nom du Seigneur pour la dimension de révélation qui coule sur ce groupe. Tu ne peux pas reconnaître les grâces. Il faut reconnaître les grâces. Il faut reconnaître la dimension de révélation qui coule sur ce groupe. Parce que toi, si tu as lu, déjà, tu ne savais même pas qu'ils vont rappeler l'accusateur. Il faut reconnaître. C'est quand tu reconnais que ça coule dans ta vie. Donc, à ce moment, il n'y aura plus de séjour des morts. Il n'y aura plus de ça. Il n'y aura plus de séjour des morts. Amen. Il sera précipité sur la terre. À partir de la précipitation, il n'y aura plus d'accusation. Pourquoi? Parce que le diable accuse en présence. Il va dans la présence de Dieu. Mais s'il est chassé du ciel, ça veut dire qu'il n'a plus accès à la présence de Dieu. Lorsque la Bible dit dans l'histoire de Job, dans Job 1, la Bible dit que il y avait les hommes que Dieu avait convoqués, les fils de Dieu. Les fils de Dieu se présentaient, ils se tenaient devant Dieu. Et la Bible dit qu'un jour, un moment, le diable est arrivé. Et puis Dieu lui a demandé, tu es quitté où? C'est-à-dire le diable avait accès, il avait accès. Mais à partir de la précipitation, il n'aura plus accès au ciel. Donc vu qu'il n'aura plus accès à la présence, il ne pourra plus accuser les hommes jour et nuit devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc à partir de ce moment-là, les hommes pourront être parfaits en action. C'est-à-dire leurs actions seront trouvées parfaites devant Dieu. Et c'est ce que la Bible explique dans Éphésiens 5, verset 27. La Bible dit concernant l'Église qui sera enlevée justement, la Bible dit, il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnant de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Et irréprochable. Ça veut dire, en fait, on n'a rien à lui reprocher. On ne peut pas l'accuser. Inaccusable. C'est-à-dire, en fait, il n'y a rien. La personne est parfaite en action, en cœur, elle est parfaite. Dieu parlait de l'Église. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnant de beauté. L'Église, c'est toi. Tu ne mets pas Amen, tu m'écoutes. L'Église, c'est toi. Il est en train de parler de toi. Il ne parle pas de... Est-ce que Dieu va enlever les bâtiments? Dieu parle de toi. Il dit, il a ainsi voulu se présenter cette Église à Joël, moi-même, Joël. Il a voulu se présenter Joël. Joël lui-même, rayonnant de beauté. Parce que moi, je m'assimile ce verset, je le garde, je le prends dans mon cœur et je le sais. Il a ainsi voulu se présenter lui-même, à lui-même, Joël, Yahin, Simon, rayonnant de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Dieu parlait de moi. Et c'est à ce moment-là, vu que l'homme sera trouvé parfait pour l'éternité, parce que quand tu es enlevé, c'est que directement tu as été réquisitionné pour l'éternité, automatiquement, à partir de ce moment-là, l'homme ne peut plus être imparfait, parce que l'homme est trouvé irréprochable. L'homme est trouvé comme une épouse, sans tache, ni ride. Bon, je sais qu'on est monté un peu. Il y a quelqu'un qui a compris quand même. Il y a quelqu'un qui a compris. Il y a quelqu'un qui a suivi, qui s'est accroché un peu dans les altitudes. T'inquiète, on va redescendre. C'est bon, on redescend. Il y a quelqu'un qui a compris. Tu as compris, tu m'as amené. Abrazi, abrazouya. Mandé, osus, ilas, ibrahim. Amen. Alléluia. Donc, l'accusateur. Le verset, c'est bon. L'accusateur examine tes œuvres pour déterminer ta consécration. C'est ce que je t'ai expliqué parce que lui, pour lui, la consécration, c'est les œuvres parce qu'il a péché, Dieu l'a jugé. Donc pour lui, la consécration, ça ne peut pas être quelque chose d'autre. Mais Dieu ne va pas regarder tes actions d'abord pour déterminer ta consécration. Dieu va d'abord regarder ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la perfection selon le diable dépend des œuvres que tu poses. Mais la perfection, selon Dieu, dépend du cœur que tu as.
Regardez. Si vous voulez pas me les amener en commentaire, moi je vais raccrocher, je vais partir avec ce message. Je vais aller me coucher parce que tu n'as pas idée de comment je suis fatigué dans mon corps, dans mon esprit. Je suis fatigué. J'ai pas dormi cette nuit. Il y a une telle dimension de révélation qui vient. Je comprends pas pourquoi tu es là, tu me regardes, tu nous envoies tout le monde devait mettre un amen. Je sais pas si tu te rends compte de la profondeur de ce que tu es en train de dire. Le diable va juger ta perfection selon les actions que tu poses, mais Dieu juge ta perfection en fonction du cœur que tu as. Je pense que je vais raccrocher. Hein. Je pense qu'on va raccrocher demain. C'est mieux, non? Hein? Non, si je pense. Je pense qu'on va raccrocher demain. Je pense qu'on va raccrocher demain. Je pense qu'on va prêcher demain. Non, parce que vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas, vous ne savez pas, vous ne comprenez pas le prix, vous ne connaissez pas le prix qu'il faut pour entendre Dieu et avoir le thé. En fait, on n'est pas la révélation de la dimension, de la profondeur de cette phrase. On n'est pas la révélation de la profondeur de la révélation. En fait, vous ne comprenez pas tout le message qui est derrière, toute la portée prophétique qui est derrière cette phrase. La perfection selon le diable, c'est les actions que tu poses. La perfection selon Dieu, c'est d'abord le cœur que tu as. Vous m'avez refroidi. Vous m'avez refroidi. Vous m'avez refroidi. Brasi brarius man. Alléluia. 1 Pierre 5. Verset 10. Je vais t'expliquer. Je vais te montrer la perfection de Dieu. Je vais te montrer la perfection. Je vais te montrer. 1 Pierre 5, verset 10. La Bible dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, c'est parce qu'il m'intéresse, la suite du verset, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, vous perfectionnera. C'est-à-dire, Dieu va te rendre parfait. Alors, je vous fais de rechercher ce verset pour comprendre en fait c'est quoi que Dieu appelle rendre parfait un homme. Amen. Parce que quand tu vois des trucs comme ça, il faut faire des recherches pour savoir en fait, qu'est-ce que Dieu veut dire. La Bible dit vous perfectionnera lui-même. Je voulais aller dans le grec, mais je ne comprenais pas trop la définition du grec. Donc, je vais aller dans les versions anglaises de la Bible. Et dans la version NIV anglaise, en fait, la version dit en fait, would restore you. C'est-à-dire, en fait, va te restaurer. Amen. Mais quand on parle de restauration, tu es d'accord avec moi que la restauration fait référence à l'intérieur. Tu es d'accord avec moi? Quand on parle de restaurer quelque chose, Dieu restaure. Quand on dit que Dieu restaure, c'est qu'il restaure l'intérieur. En fait, ça fait référence à quelque chose qui est à l'intérieur. Et la personne qui a dit, we restore you. Et j'ai compris alors que le terme vous perfectionnera lui-même, ça veut dire vous restaurera lui-même. Ça veut dire en fait, il va d'abord toucher au cœur, il va rétablir le cœur, il va restaurer le cœur, il va travailler, il va émonder, il va emmener ton cœur à devenir son cœur. C'est ça que Dieu appelle perfection. Le diable appelle perfection les actions que tu poses. Voilà pourquoi quand tu poses des mauvaises actions, il est le premier à se tenir devant Dieu en accusateur. Il le dit, lui, telle ma soeur, cette soeur-là, cette fille-là, elle est imparfaite parce qu'elle est tombée avec ce garçon. C'est le premier à se tenir pour dire, ce garçon, il est imparfait parce qu'il s'est masturbé. C'est le premier à se poser pour dire, un tel a volé, un tel a menti parce que lui, il regarde aux actions. Quand tu as insulté, automatiquement, il se tient en accusateur. Quand tu t'es moqué, automatiquement, il se tient en accusateur. Quand tu es tombé dans la masturbation, la pornographie, automatiquement, il se tient en accusateur. Mais Dieu, lui, détermine ta perfection en fonction du cœur que tu as. C'est-à-dire, tu peux même tomber dans le péché. Hein. Bien évidemment, il ne faut pas tomber dans le péché. Il ne faut pas tomber dans le péché. Tiens ferme, comme un soldat de Dieu. Mais ça veut dire, en fait, quand tu as le cœur de Dieu, même quand tu as fait une erreur et que tu es tombé, Dieu dit, relève-toi. Parce que je t'aime. T'as dit en fait, Dieu te voit parfait. T'as dit, même quand tu es tombé hein, en action, quand tu as le cœur de Dieu, Dieu dit, c'est pas grave, je sais que tu es parfait. Parce que la perfection de Dieu, c'est pas les actions que tu poses d'abord. Ça vient. Mais ça vient pas d'abord des actions, ça vient d'abord du cœur. Parce que même pas la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc Dieu sait que même si aujourd'hui tu combats, mais si aujourd'hui tu luttes contre le péché, ce n'est pas grave. Tant que tu as mon cœur, la vie qui vient de mon cœur va te transmettre et tes actions vont commencer à me refléter. Parce que tu ne pèches pas. Il y a une dimension où tu ne pécheras pas au nom de Jésus. Mais si aujourd'hui tu luttes, cherche juste à avoir le cœur de Dieu. Ne cherche pas d'abord à poser les bonnes actions. Cherche à avoir le cœur de Dieu. Quand tu auras le cœur de Dieu, la Bible dit c'est de lui viennent que les sources de la vie. C'est-à-dire, quand tu as le cœur de Dieu, ça prendra le temps que ça va prendre. Mais ta vie va commencer à refléter ce qui est à l'intérieur. C'est le secret.
C'est le secret. Et la vérité, c'est que... Alors, c'est quoi le cœur de Dieu? Je pense qu'une personne se pose la question, c'est quoi le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu, c'est un cœur honnête et bon. Je n'ai pas voulu envoyer de versets pour vous expliquer parce que sinon j'allais trop enseigner dessus. Mais là, je vais vraiment vous faire comprendre. On va plus. Dans les semaines à venir, quand on va parler de la consécration du cœur, on va en parler. Mais le cœur de Dieu, c'est un cœur honnête et bon. La Bible, on parle dans Matthieu 13, la Bible, dans Luc 8. Un cœur honnête et bon. Dans Luc 15 plutôt. Un cœur honnête et bon. Le cœur honnête et bon, c'est deux choses. C'est un cœur honnête et c'est un cœur bon. Alléluia. C'est quoi un cœur? C'est quoi avoir un cœur honnête? Un cœur honnête, c'est un cœur qui reconnaît qu'il est imparfait. C'est un cœur qui est sincère devant Dieu. C'est un cœur qui ne se ment pas à lui-même. C'est un cœur qui reconnaît et qui désire apprendre, qui désire être changé. C'est un cœur qui, lorsque Dieu envoie sa parole, vous dit que ça, c'est mauvais. Vous savez, il y a des personnes qui ont un cœur malhonnête. Quand Dieu envoie la parole pour dire que sortez de l'impudicité, il dit, moi, je ne suis pas dedans. Parce que moi, je ne tombe plus dans le péché. Mais tu as des pensées impudiques. Tu dis que tu n'es pas dans l'impudicité. Oh, il a dit que celui qui regarde la fille, la femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. La femme d'autrui pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Alors, ce n'est pas parce que tu n'es pas tombé. À partir du moment où tu as des pensées, Dieu dit que regarde, fais attention. Tu viens de convoiter, tu es rentré dans l'adultère. Mais tellement, il y a des gens, ils ont tellement le cœur, ils ont tellement le cœur imparfait, ils ont tellement le cœur malhonnête qu'ils ne veulent pas en reconnaître. Celui qui a un cœur honnête, c'est une personne qui reconnaît qu'elle n'est pas parfaite. Elle désire juste changer. C'est une personne qui, lorsque Dieu envoie une parole, même au début, en fait, quand Dieu envoie une parole comme ça, en fait, à première vue, elle se dit, mais ça ne me concerne pas. Mais le cœur honnête, c'est un cœur qui va chercher en lui-même. Qu'est-ce que, d'où cette parole me concerne? En fait, c'est un cœur qui a compris que quand Dieu a parlé, c'est que ça me concerne forcément. Parce que souvent, on a tendance à dire, non, ça concerne la personne, mon voisin, ça concerne ma voisine. Mais la vérité, c'est que lorsque la parole est vient, Dieu est conscient que Dieu savait que tu allais être là, c'est lui qui t'a attiré. Donc quand la parole est vient, elle vient aussi pour toi. La vérité, ceux qui ont le cœur honnête, peut-être quand la parole vient d'abord à leur oreille, ils ne comprennent pas, mais tellement ils veulent plaire à Dieu. Ce sont des personnes qui vont commencer à chercher en eux-mêmes. Où est-ce que j'ai fait quelque chose qui ne glorifie pas Dieu? Qu'est-ce que j'ai en moi qui n'est pas de Dieu? Qui commence à chercher à fois afin d'avoir un cœur honnête. Un cœur honnête. C'est le cœur de ceux. C'est pas, ils n'ont pas un cœur parfait, mais ils veulent apprendre, ils veulent grandir avec Dieu. C'est ça un cœur honnête. Et il y a le cœur bon. C'est-à-dire, en fait, ça va venir ensemble. Le verset, c'est bon. Ça va venir ensemble. C'est-à-dire, ils ont un cœur honnête. Amen. Ils ont un cœur bon. Le cœur bon, la bonté fait référence à quoi? Je t'ai expliqué ça le jour de la traversée. Je t'ai dit que le fruit de la lumière, c'est toutes sortes de bonté. Je t'ai dit que la bonté, c'est le caractère. En fait, le cœur bon, c'est un cœur qui a le caractère de Dieu. Le caractère, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, qui est composé en plusieurs tranches. La joie, la paix. La patience. En fait, c'est quoi un cœur honnête et bon? C'est un cœur qui est honnête, qui reconnaît qu'il est imparfait, mais en même temps qu'il reconnaît qu'il est parfait, en fait, il est rempli de joie. Il est rempli de patience. Pourquoi? Parce qu'il se dit que je sais que ma condition d'aujourd'hui ne sera pas ma condition de demain. Je ne sais pas ce qu'il vient de comprendre. C'est ça un cœur honnête et bon. C'est-à-dire, en fait, je ne suis pas parfait aujourd'hui, c'est vrai, mais au lieu de me morfondre, au lieu de me sentir coupable, au lieu d'être triste parce que je ne marche pas dans la sainteté, le cœur honnête et bon, en fait, n'est pas triste parce qu'il est encore dans le péché. Il est juste triste. D'avoir attristé Dieu par le péché, mais il est contre le péché, mais sa tristesse à lui, en fait, il n'est pas triste, en fait, il est rempli d'assurance, il est rempli d'espérance. Je sais que je passe un moment compliqué aujourd'hui, mais je suis patient, j'ai la joie dans mon cœur, parce que je sais que quand on tourne vers lui les regards, le visage ne se couvre pas de honte, mais le visage est vraiment de gloire. Le cœur honnête et bon, c'est un cœur qui reconnaît que si j'ai crié à lui, il va répondre. Selon qu'il est écrit, lorsque les justes crient, l'Éternel entend et il est délivré de toute leur détresse. Le cœur honnête et bon, c'est une personne qui a compris que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Le cœur honnête et bon, c'est une personne qui a compris que c'est vrai. Aujourd'hui, je ne vois pas la manifestation des paroles qui ont été relâchées, mais il faut un peu de temps. Il faut que je grandisse, il faut que je mûrisse, il faut que je me muscle. Et quand je grandis, plus je grandis en stature, en grâce, en sagesse, automatiquement la parole annoncée va commencer à se manifester. Donc c'est un cœur qui est peut-être tombé, mais ne s'approche pas de Dieu coupable. Ne reste pas dans son coin, ne se cache pas comme Élie s'est caché dans la caverne, mais qui décide de sortir, se tenir sur la montagne, de dire à Dieu, je viens à toi, parce que j'ai compris qu'il est écrit dans la parole dans Hébreu, il est écrit dans la parole dans Hébreu 11, il est écrit dans la parole dans Hébreu 11, au verset 7, que approchez-vous de Dieu, approchez-vous de Dieu. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est un cœur qui a compris que je n'ai pas d'autre choix que d'aller dans la présence. Donc je n'ai pas à culpabiliser parce que de toute façon, ma délivrance ne vient de lui. Pierre a dit dans Jean 6, il a dit, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. C'est un cœur qui a compris que c'est vrai, je suis encore imparfait, mais d'aller où?
Où est-ce que vous voulez que j'aille? C'est lui ce qui peut me libérer. Donc, c'est un cœur qui est rempli d'assurance. C'est un cœur qui est rempli de joie. C'est un cœur qui est rempli de patience. Pas pour le péché. Pas parce qu'il a encore de le péché. Il n'est pas rempli de joie pour sa condition. Il est rempli de joie à cause de la manifestation bientôt de ce que Dieu va faire. Il n'est pas rempli de joie à cause de sa condition. Il est rempli de joie à cause de la solution. Et la solution, c'est une personne qu'on appelle Dieu le Père, en Jésus le Christ, par le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas sa condition qui le plaît. Il n'est pas, en fait, il ne se plaît pas dans la condition. Mais en même temps qu'il ne se plaît pas, à partir du moment où il a reconnu qu'il veut Dieu, il est rempli d'assurance, de joie, de patience. Et c'est que tôt ou tard, ma vie va changer. Donc, ne cherche pas d'abord à avoir posé les bonnes actions. Ça ne sert à rien. Cherche à avoir le cœur. Parce que n'oublie pas, je répète, de lui viennent les sources de la vie. La Bible dit dans Psaume 119, verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur ses sentiers? C'est en marchant d'après ta parole. Le verset 11 dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Tout vient du cœur. Tout. Donc, il ne faut pas chercher d'abord à avoir les bonnes actions. Cherche le cœur. Cherche le cœur. Et quand tu cherches le cœur, la grâce qui est du cœur est transportée, découle, sort. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Brazia los del bro calia. Brazese basin talia bratobia. Bedeca uzi blazer.